Je représente l'Union commerciale du centre-ville, la Haute-Ville, le boulevard Clocheville, la place d'Alton-Gourmande. Donc nous représentons à peu près 200-250 adhérents. Nous avons acheté les drapeaux, les ballons pour que les gens puissent voir les commerçants participants. Sur la place d'Alton, il y aura 4 art streeters. La place d'Alton-Gourmande a mis en place le savoir-faire boulonnais, c'est-à-dire qu'il y aura un chef qui a fait des biscuits à l'effigie de la JNCP. La maison Philippe Olivier a mis en avant ses fromages et fait goûter à sa clientèle différents fromages. Alors c'est la 4e édition et le comité a noté notre savoir-faire et les commerçants boulonnais. On a eu la première année 2 sourires. Donc la 2e année nous avons eu 3 sourires et là on concourt pour les 4 sourires. La municipalité a mis en place certains points sur lesquels nous avions discuté ensemble, 1 million d'euros chaque année pour revoir son centre-ville rénové. Une journée comme celle-ci, on se dit que quand il y a de l'animation, il y a des chalands et des clients.